Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est parti, nous voilà partis pour 4 mois d'aventure. Nous avons quitté notre mobilhome et nous avons pris donc la route lundi 15 novembre. On a dans cette vidéo deux escales, une Penne Mirabeau très rapide juste pour dormir. Et là, nous nous sommes arrêtés à 7. Vous allez voir un petit peu que nous avons souci avec une de nos minettes qui a du mal un peu à s'acclimater à nouveau à cette vie, mais ça va vite venir. Poppy, super heureux. Et des petites nouveautés dans le camping-car que l'on essaye. Allez, n'oubliez pas les pouces, ça nous ferait plaisir. Mardi 16 novembre, attention, tous aux abris, parce que Valérie va tenter de conduire le camping-car avec la remorque. Je n'ai jamais tracté une remorque, mais il faut se lancer. Allez, c'est parti! Alors chérie, pour cette première impression, pour une conduite avec la remorque, 100 km déjà quand même, bravo chérie. On arrive en Camargue. Ouais, mais bon, ça va, j'ai fait beaucoup d'autoroutes, donc bon. Mais c'est vrai que j'avais l'appréhension dans les sens giratoires. Et ça y est, c'est bon, normalement ça le fait. Parfait. Grâce à la caméra que tu as installée, je me sens bien. J'ai réussi à doubler des poids lourds, donc c'est bon. Par contre, ce qu'il va falloir, c'est sûr, c'est dans un petit coin désert. M'apprendre à faire les manœuvres pour me garer parce que ça je sais pas du tout. C'est effectivement la marche arrière, c'est il faut inverser le cerveau hein, parce que il y a un problème, c'est qu'il est déjà renversé mon cerveau, donc je sais pas trop ce que ça va faire, et mais bon. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut en avoir un aussi, et si voilà. Voilà, il est en train de me traiter de blonde, merci, c'est super. Non non, ça va, franchement ça y est, j'ai plus du tout d'appréhension, c'est bon, nickel, validé. je suis rassuré. Bon, on va continuer vers passer vers 7 et puis on va voir si on trouve une escale. Et puis après, direction l'Espagne et puis on verra bien. Hein? Là, on est sur la route pour aller au Sainte-Marie. Sainte-Marie, qu'on s'arrêtera pas encore. Non, on s'arrêtera pas parce que c'est trop touristique, vous comprenez. Et puis, on ne peut pas se garer en sauvage. Sainte-Marie, c'est impossible. Et les airs, merci quoi, c'est comme des HLM à l'horizontale, non, c'est pas pour nous. Voilà, allez, on continue. Ça depuis plus de 200 km. Elle a du mal cette fois-ci à s'acclimater. Allez mes filles, vous venez, on va à la mer. On va à la mer, vous venez? Allez, la plage est pas loin. Allez ma princesse, ça y est, t'es contente, t'es sortie. Allez, viens Perle,
Allez, allez, on y va. Et mon pop, Icota? Ouais, allez, plonge! Viens-moi-le! Viens-moi-le! D'accord? Oui. Tu peux m'expliquer un petit peu? Je suis en train de te filmer. Ce que c'est que cette nouvelle acquisition? Oui, en fait, c'est un panneau solaire, bonjour à tous, c'est un panneau solaire de 300 watts, ouais. Portable, on peut le déployer où on veut, là où il y a le soleil. Pliable en fait, ouais. Pliable, voilà, il est livré avec un régulateur. Ouais. Régulateur. Moi, pour faire des essais, j'ai pris avec ma batterie moto et ça me permet de lui informer qu'il faut du 12 watts. Du coup, on peut recharger en USB, il y a deux USB. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé, j'ai été chercher des outils pour bien monter le siège, pour le mettre une installation sur les batteries de la cellule. D'accord. Qui nous permet d'avoir les 150 watts plus les 350 watts. Les 300 watts, ça nous fait 450 watts. Ouais. Tu crois qu'il est marqué 300 watts, mais est-ce que tu crois qu'il va vraiment nous fournir 300 watts? On dit pour 300 watts, il est prévu en fait pour 320 watts. Donc peut-être, ouais, si on a 250 watts, c'est déjà pas mal. Bon, ben écoute, on verra bien. On a acheté ça il y a des mois et des mois, ça a été très très long. On a acheté ça chez un site chinois et on a vraiment eu de la chance. On a fini par le recevoir, je crois, un jour avant le départ. Donc là, c'est la première fois qu'on l'installe et on a bien eu du soleil cet après-midi, donc il a fait les essais. Solaire, et ça n'a pas l'air de bien aller. Du coup, moi je regarde et je vous raconterai tout ça dans une prochaine vidéo. Je vous dirai si le panneau solaire a bien fonctionné. Ah tiens, ma soeur elle arrive aussi. Oui, toi aussi, tu préfères rester là. Et surtout, comme je vous dis à chaque fois, n'oubliez pas de nous mettre un pouce parce que j'ai toujours besoin de craquettes, moi. Donc ça serait bien que la chaîne de mes parents, elle fonctionne. Allez, ciao!